Alors, le sujet que nous traitons maintenant, c'est le changement de nom de famille. Et c'est 150 000 personnes, quand même, qui l'ont fait en 2022. Je voudrais qu'on écoute Patrick Vignal, il est député Renaissance. Il est à l'origine de cette loi. Il était interrogé par Laurent Tessier. Jusqu'à maintenant, si vous aviez un nom compliqué ou si vous avez subi des violences et que vous avez un nom qui est attaché à tout ce que vous avez vécu étant jeune, il fallait une dizaine d'années, il fallait trouver un avocat et on encombrait les tribunaux. Depuis la loi Vignal, portée par un collectif et portée par le garde des Sceaux, un simple CERFA suffit pour que vous puissiez, non pas changer complètement de nom, mais pouvoir rajouter le nom du papa ou de la maman ou simplement un des deux noms. Il de question de changer de nom, de vous appeler Laurent Tessier ou Patrick Vignal ou Emmanuel Macron. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un bon exemple de simplification et de rapidité administrative. Écoutez encore Patrick Vignal, toujours interrogé par Laurent Tessier. Je me suis rendu compte de la souffrance de certains. Je pourrais vous parler d'un nom comme Karima Abdeslam. C'est une personne qui vit sur la Côte d'Azur et qui n'a aucune relation avec le terroriste et qui ne peut plus donner son nom quand elle voyage. Elle a honte de son nom. Je pourrais vous parler de Nadine Cocu. Donc, c'est des noms difficiles à porter. 8 fois sur 10, vous avez le nom du père. Vous savez, la première personne qui m'a donné envie de lever les barricades et défendre cette loi à l'Assemblée, c'est une dame qui a 77 ans, qui est de Saint-Cyprien. Sa vie personnelle a été gâchée parce qu'un salopard de beau-père, de l'âge de 5 ans à 17 ans, s'amusait à la violer. Et bien à cet âge-là, elle m'a dit « je ne veux pas que sur ma tombe, il y ait le nom de ce salopard ». Et le jour où elle a mis son CERFA et qu'elle a repris le nom de sa maman, elle m'a dit « je suis en train de renaître ». Et de revivre. Voilà, cher monsieur, à quoi servent les lois en France. Témoignage très émouvant de Patrick Vignal. Et donc, nous sommes en ligne avec monsieur... Non, justement, on va faire sonner, Pascal. Ah, on va faire... Mais il est au courant que nous l'appelons? Ah ben non. Vous m'avez dit d'appeler directement. Ah oui, donc là, effectivement, on va peut-être se faire recevoir... Vous voulez quand même le faire ou pas? Ah ben, faisons-le, d'autant que donc monsieur Vidal-Revel est arrivé, donc c'est le patron. Bah donc voilà, le patron arrive au mauvais moment, il là. Va pouvoir, non, au contraire, il va pouvoir nous aider si on a un souci avec... Comment s'appelle ce monsieur? Alors, il s'appelle monsieur Jean-Christophe Labitte. Et il habite où, monsieur Labitte? Ah ben, vous allez lui demander, oui. Bon, allez, je fais sonner, j'assume pas la séquence. Bon, écoutez, faisons sonner, mais c'est vrai que... Donc nous appelons chez monsieur Labitte, mais il est peut-être pas... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Bah oui, il préfère il préfère être sur messagerie parce que toute la journée, moi... Donc, quand j'avais 10 ans, moi j'appelais le jeudi, parce qu'à l'époque on était en vacances le jeudi, et je disais « Allô monsieur Lapin ?» Pan, t'es mort, et je raccrochais. Donc, je pense que... Et 2 minutes après, je reprenais mon téléphone et j'ai dit « Allô, monsieur Lapin, je savais bien que tu n'avais pas eu, et puis une deuxième fois ?» Une deuxième fois, bon. C'était des plaisanteries d'enfants. Est-ce que vous en voulez un deuxième? Après, on arrête. Bah, essayons. Ce que je voudrais, en fait, et c'est peut-être des gens qui nous écoutent, ceux qui considèrent qu'ils ont un prénom... qui peut être effectivement un handicap. C'est ça qui est intéressant. Soit parce que ce nom est connoté comme Abdeslam, parce qu'une personnalité a fait de ce nom un handicap, et c'est le cas Abdeslam, une personnalité, vous comprenez dans quel sens j'emploie ce mot, soit parce que ce nom de famille peut être gênant, humiliant, que sais-je. Et on en a cité quelques-uns. Alors pour monsieur ça, on a Tom qui... Monsieur Sacavin, monsieur Gros-Mollard, ou madame Gros Mollard d'ailleurs, et Madame Le Fion, qui ne sont pas forcément des prénoms heureux à porter. Bien sûr, alors on aura Tom sur le sujet. En attendant, on tente un deuxième et c'est Grégory, donc Labitte. Grégory Labitte. Après, donc, nous avions. Jean-Christophe. Mais là, a priori, à 11h54, les gens, ils sont rarement chez eux. J'exécute votre demande. Je suis d'accord, mais monsieur Labitte a peut-être autre chose à faire qu'à être chez lui. Oh non. Alors là, du coup, il répond plus. C'est n'importe quoi. Écoute, du coup, on pourrait... Ça, vous savez que c'est un concept de passer... Messagerie des... orange. Voilà. Bah, ah oui, bon, alors là, voilà. C'était un portable. Oui, j'ai appelé 2 portables. Mais comment vous avez des numéros blanches. De portable? Les pages blanches, oui. Sur les pages blanches, il y a des numéros de portable. Bon, en attendant, on est avec Tom Pascal qui nous a appelé sur ce sujet. Bonjour Tom.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour Tom. Vous, est-ce que vous avez un nom que vous jugez difficile à porter ? Alors, j'avais. J'avais un nom, en fait. Voilà, mes grands-parents étaient pieds-noirs d'Algérie. Mmh. Et en fait, bon, ça, c'est un nom un petit peu imprononçable. J'ai pas envie de le dire parce que voilà, j'ai pas envie d'afficher la famille de ce côté-là. Mmh. Voilà, donc j'avais un nom à consonance vraiment étrangère, donc maghrébine. Mmh. Assez imprononçable, pour tout dire. Et du coup, quand j'ai entendu la loi là où il fallait juste prendre un CERFA à la mairie pour changer de nom, j'ai foncé à la mairie pour me faire appeler ensuite Marchalot, qui est un nom bien breton. Marchalot. Ça correspond déjà à ce que je voulais être à la base. Oui, mais ce Marchalot, il ne sort pas de nulle part. C'est votre mère qui, son nom de jeune fille, comme on disait jadis, était Marchalot. Exactement. Alors en fait, c'était que mon grand-père, Marchalot, donc le breton, n'a eu qu'une fille, oui. Donc n'a pas eu de descendance. Et j'avais un rapport assez particulier avec ce grand-père-là, effectivement. C'était quelqu'un qui avait un système de valeurs qui était très, très puissant, très fort. Et en fait, j'avais envie aussi de rendre honneur à cet homme-là qui était assez exceptionnel. Donc maintenant, vous vous appelez Tom Marchalot. Et ça s'écrit comment à la fin ? A-U-D ou A-U ? Non, c'est M-A-R-C-H-A-L-O-T, tout simplement. L-O-T, voilà, Marchalot. Marchalot de Bretagne. Comme un cachalot. Marchalot. Bon, bah, c'est joli, voilà. Marchalot, quoi. En tout cas, ça se retient. Ah, bah là, c'est tout de suite plus simple. Bon, après, il y a toujours les petites blagounettes, hein. Marchalot, marche à l'huile, marche, voilà, etc. Donc, bon, ouais. Ça reste rigolo, mais ça reste toujours bien mieux que ce que j'avais avant, effectivement. Bon. Bah, et à quel âge vous avez changé ? Donc, il y a 2-3 ans, simplement. Puisque là, c'est en 2022, donc c'est sur les deux dernières années que vous avez fait la demande. Alors c'était effectivement pendant l'année 2022, d'autant qu'en plus j'étais en reprise d'études, je passais mon bac en cours du soir, mmh. Et je voulais absolument avoir le nom Marchalot inscrit sur mon diplôme, voilà, donc ça m'a permis aussi de faire la démarche très rapidement. Bah écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne idée que cette loi, et elle permet pour deux types de raisons d'ailleurs, ceux qui effectivement ont souffert avec un nom un peu humiliant, et puis d'autres qui ne veulent pas porter, c'est ce que racontait Patrick Vignal très justement, cette dame de 77 ans qui s'était fait violer par son père, si j'ai bien compris, elle ne voulait plus porter le prénom de son père, et ça se comprend ô combien. Bien évidemment. Bah merci Tom, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Vous êtes en Bretagne ? Alors ce week-end, bah écoutez, samedi ça va être tranquille à la maison, et dimanche, écoutez, j'ai un repas de famille avec justement ma maman, mmh. Et mes frères et sœurs, et donc... Où ça vous, voilà, êtes ? Dans quelle région de France vous êtes ? Pardon ? Dans quelle région de France vous êtes ? Ah, nous, on est alors, j'habite dans le 77, j'ai vécu toute ma vie dans le 91 et je travaille dans le 94, donc je gravite autour un petit peu du Paris Sud, voilà. Bon, et le repas de famille sera où ? Pardon ? Vous êtes sourd aussi, non, ou pas, monsieur Marchalot ? Non. Ah, excusez-moi, en fait, c'est que j'ai un petit souci sur le téléphone, et du coup, j'ai tendance à... Ah, non, je vous taquine. Je disais, le repas de famille, il est où ? Ah, on va aller à Villejuif, dans un restaurant qui s'appelle Obrigado, tout simplement. Ouais. Obrigado. Obrigado, ça veut dire merci, non ? Oui, en portugais. Très bon restaurant. Merci. Bon, ben, merci. Merci beaucoup, Tom. C'était un plaisir. Eh ben de rien, et puis merci beaucoup, votre émission fait du bien à beaucoup de gens en tout cas. Bah, vous êtes sympa, on essaye d'être un peu plus léger, notamment le vendredi, bien évidemment. Et puis après, en deuxième mi-temps, on va parler de quoi ? On a d'autres sujets, on va parler du surtourisme à Venise, on va parler... Laurent, il a un super sujet. Ah ouais, l'abattage de chiens errants dans l'Aveyron. Oui, alors ça c'est pas très gay. Non. Mais ce double mariage, on va pouvoir en parler également ? Ah, magnifique histoire ! Virginie et Aurélie qui vont se marier demain, au même endroit. Donc le papa, il va devoir amener ses deux filles à la mairie. Mais ça c'est drôle. Beau. Avec le même homme ? Non, mais arrêtez. Mariage n'est pas a priori comment. Non. C'est pas. Mariage à deux, mariage heureux. C'est pas ça. Ça c'est vrai. Non, c'est mariage plus vieux. Non, c'est mariage plus vieux, mariage heureux. Bravo Laurent. C'est pour le sujet là, ça marche. Bon, c'est la fin de la semaine. Ah ça. À tout de suite, amis. Vous réagissez au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Belle fin de matinée avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.